Salut à tous, c'est Zacorp. Bon, bah aujourd'hui, petit test du Fantasia. Adios, motherfucker. Ici présent. Donc, j'ai passé dans une boîte pour la conservation. Donc, on a un tabac très rouge, très juteux. Coupé très finement, comme les Fantasia en fait. Pour ce qui est de l'odeur, l'Adios, motherfucker et un cocktail. Composé de tequila, vodka, rhum et j'en oublie un, je sais plus. Avec du jus de citron et curaçao bleu, c'est pas important. Donc dans celui-ci, moi je retrouve un peu de l'odeur du curaçao bleu en fait, donc un peu fleur d'oranger avec du citron. Je sens aussi une sorte de fruit rouge, je saurais pas le décrire, mais ça sent plutôt bon dans le pot. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc là, je suis en pleine session, comme d'habitude, même configuration. Mia Lounge Junior, Dewey Jumbo, Belgian Charcoal 40 mm, tuyau Namor. Donc comme vous voyez, en pleine session, on a une très bonne fumée, très blanche. Bon, il fait pas beau dehors, donc on voit pas forcément bien comment elle est blanche. Mais pour ce qui est du goût, je trouve que c'est un tabac qui a très peu de goût, malheureusement. On perd beaucoup de l'odeur qu'il y a dans le pot. Mais ça reste quand même assez fruité, agréable à fumer. Il n'y a pas de mauvais goût en bouche ou quoi que ce soit. Donc ça c'est mon avis. Après, comme d'habitude, c'est à vous de vous faire le vôtre, votre propre opinion. Mais ça reste quand même un tabac de très bonne qualité, comme la plupart des Fantasia, il n'y a pas à dire. Donc je lui donnerai un bon 4, 4 sur 5. Et voilà. Je vous refais une petite dernière latte pour vous montrer un peu. À la prochaine.